Et salut tout le monde, c'est Jack9. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va parler de petites news comme d'habitude à gauche à droite que j'ai pu vous récolter. On va principalement parler de l'événement de fin de saison qui arrive à grands pas et des choses qui sont en train de se passer. Où sont passés les robots? Ils sont enfin partis on dirait. La boutique à Reset, voilà, à 14h, elle a changé. Donc hier soir on avait une autre boutique, mais cette fois-ci dans cette boutique on a les skins Frayeur et Graffeur, ou je ne sais plus exactement le nom de l'autre, dans un pack à 1600 V-Bucks, accompagné d'un petit sac à dos ainsi que deux défis. Les deux défis les voici, donc il y a un skin pour débloquer l'autre variante de couleur du skin Frayeur et un autre set de défis pour débloquer l'autre variante de couleur pour l'autre skin. Ils vont dans le thème de l'event Warzone qui est disponible dans les menus de mode de jeu, hein. Voilà, très facile d'accès, et c'est tout simplement 4 maps de Moving Zone qui sont disponibles au jeu pour tout le monde. Voilà, il y a des petits défis à réaliser aussi. Donc voilà, c'est plutôt sympathique. Epic Games a mis des petites récompenses en plus pour ça. Donc voilà, ça fait toujours plaisir, les petites récompenses gratuites et les mini-événements comme ça. Ça occupe, j'aurais envie de dire. Donnez-moi votre avis. Après, c'est vrai que les défis ne vont pas être spécialement durs, hein. Voilà, ils sont pas non plus très compliqués, mais c'est sympathique. Si d'ailleurs vous pensez acheter le pack de skins, n'oubliez pas le petit code créateur. Voilà, ça aide beaucoup et ça fait très plaisir. Donc voilà, c'est la meilleure façon de me soutenir. Donc pensez-y. Le prochain skin Samsung. Et oui, c'est vrai que c'est au sujet en ce moment, normal, nouveau skin exclusif, besoin d'informations, etc. Et vous allez voir que vous allez être très content pour la plupart. Car déjà le skin iconique, normalement à l'heure actuelle, ne devrait plus être disponible. Si je ne me trompe pas, il est parti justement dans la nuit, donc à 6h aux alentours heure française. Donc il n'est plus disponible. Et ce soir, ou plutôt nous, demain matin vers 6h du matin, nous aurons le tout nouveau skin, Glow, qui sera disponible avec son emote, tout comme le skin iconique. C'est-à-dire il faudra lancer le jeu, aller comme si on voulait acheter un starter pack, et il sera disponible au prix de 0€. Donc pourquoi je dis 6h du matin, c'est parce qu'en fait aux États-Unis il sera minuit pile. Donc en gros là ils font leur journée du jeudi, tac 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 tac. Et tout simplement quand ça passe de jeudi à vendredi à minuit pile chez eux, le skin apparaîtra sur le Samsung Store. Donc c'est possible que nous ce soit pas à minuit pour nous exactement. Si c'est basé sur les États-Unis, ce sera plus vers justement 6h du matin, 10h au plus tard que cela apparaîtra. Et cela apparaîtra sur un bon nombre de téléphones. Donc voilà, il y a vraiment énormément de téléphones compatibles. C'est vrai qu'à la base on pensait que ça allait justement être le nouveau skin exclusif pour le Galaxy Note 10. Mais non, au final vous avez une très très longue liste de téléphones compatibles. Donc voilà, vous les voyez s'afficher. Donc dedans vous avez forcément les derniers Note 10, etc. Mais ça descend aussi jusqu'au Galaxy S7, S7 Edge et S7 Active, qui sont quand même des téléphones qui datent de 2016, hein, voilà. Donc c'est quand même des vieux Samsung Galaxy, et que je sais sont quand même assez répandus, hein. Je crois que beaucoup de gens ont justement le S8, etc. Ils sont aussi dans la liste. Vous avez aussi quelques tablettes de compatibles. Vous avez la Tab S6, la Tab S4, la Tab S3, la Tab S3+, et la Tab S3 Wi-Fi. Vous en avez pas mal, voilà. Et après vous en avez qui ont des noms d'autoroutes, A9, A70, A80 et A90. Donc voilà, qui sont plutôt sympathiques. On a pu aussi trouver qu'apparemment on aura peut-être la possibilité d'offrir le skin. Alors on ne sait pas justement, est-ce qu'on va recevoir le skin et avoir la possibilité d'en avoir un autre à offrir à un ami, ou est-ce que justement, si on ne veut pas le skin et qu'on sait qu'on a un pote qui joue un peu plus à Fortnite, est-ce qu'on va pas pouvoir tout simplement lui offrir directement? Donc voilà, ça c'est une possibilité. J'attends de voir, ça pourrait être très cool en tout cas d'en avoir deux, dont un à offrir à un ami. Ça ferait vraiment très plaisir. Surtout qu'en plus il est pas dégueulasse, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Pour rappel, il a une emote, hein, l'emote est intégrée au personnage. Donc c'est une emote qui n'apparaîtra que sur le personnage, que sur le skin quand vous êtes en jeu. Donc normalement là vous avez toutes les infos. J'espère que ça en réjouira plusieurs de pouvoir débloquer ce fameux skin d'une manière plus simple que d'habitude. Et on peut passer à la suite qui va parler tout simplement de la fin du mode bêta de Fortnite. Vous n'êtes pas sans savoir que Fortnite est en accès anticipé depuis maintenant la sortie du Battle Royale, hein. Et cela leur permet que sur les consoles, ou du moins plus le PlayStation Store, ils puissent publier des mises à jour très fréquemment. Mais dans les fichiers du jeu on a pu trouver qu'apparemment à la suite de l'événement de cette saison et à la sortie de la saison 11, Fortnite sortirait de ce mode bêta pour passer justement en jeu terminé, etc. Donc il faut savoir que ça peut provoquer plusieurs choses. Déjà le fait qu'ils ne puissent plus mettre le jeu aussi fréquemment à jour qu'ils le faisaient avant. Alors personnellement ça m'étonnerait, hein. À mon avis, tellement que Fortnite est devenu big, ils ont dit à PlayStation, ok on sort du mode bêta, mais par contre laissez-nous update le jeu comme on veut. C'est fort possible, hein, clairement que là ils s'en foutent un peu de ces règles là mais c'est quand même intéressant de savoir que le jeu va sortir de cette phase de bêta très bientôt, ce qui veut peut-être dire aussi la sortie du Save the World, donc sauver le monde gratuitement. On sait que pas mal d'adaptations en sauver le monde ont été faites pour que justement les V-Bucks qui se gagnent soient vraiment réservés aux personnes qui ont payé le jeu. Quelque chose se passe aussi sur la carte, le stade qui a été détruit à la suite de l'explosion d'un générateur de faille a tout simplement des constructions qui ont lieu dessus. Donc c'est assez étonnant, hein, clairement. Pourquoi des constructions, sachant qu'on sait qu'il y a des petites théories sur un
changement de carte, pourquoi quelqu'un vient reconstruire quelque chose ici, sachant que la carte va être supprimée. On ne sait pas, après le monde ne doit pas s'arrêter de vivre, mais voilà, c'est assez étonnant. Je me suis dit, pourquoi pas, ça se trouve, le visiteur aurait calculé son plan depuis le début, il a une fusée à faire décoller, ça se trouve, il lui faut un terrain de lancement, il va faire justement exploser son petit générateur au stade, et emmener la fusée pour avoir un petit terrain de lancement, ça serait possible. Après, bon, ça m'a pas... En vrai, je sais pas, ça pourrait être une théorie, j'ai envie de dire. Autre petite chose qui se passe actuellement sur la carte, si vous allez dans un hangar Dusty, vous pouvez voir des écrans qui s'affolent et qui indiquent que justement les brutes sont comme infectées par un virus. C'est bien le cas, on a pu retrouver l'image dans les fichiers du jeu et elle porte bien le nom infection virus brut. Donc voilà, clairement c'est assez clair, hein, voilà, on n'a pas besoin trop de se compliquer la tête. Mais aussi quelque chose de très particulier, vous n'êtes pas sans savoir que quand les brutes apparaissent en début de game, bah elles vont tomber du ciel, hein, ça c'est normal, mais dès qu'elles vont toucher le sol, elles vont instantanément exploser. Voilà, les rendant littéralement désactivées, hein, quasiment, vu qu'elles apparaissent, elles tombent au sol et elles explosent. Donc c'est assez intriguant, ça fait clairement partie de l'événement de fin de saison, hein, voilà, de la petite intrigue. Mais à voir ce que Fortnite va faire avec, justement, et comment les choses vont évoluer. On serait pas dans la merde si elles passent en pilote automatique, clairement, déjà que c'est casse-couille, là ce serait vraiment casse-couille. On sait aussi qu'un défi secret aura lieu, justement, soit après l'événement, soit pendant l'événement, soit avant l'événement. Ce défi consiste à ramasser des cassettes audio, les cassettes audio ressemblent à celles-là. Elles seront disponibles à plusieurs endroits, donc il y en aura à peu près 6 à collecter au total. La première étape sera justement de collecter ces petites cassettes audio dans l'île flottante et à Retail Row. On devra après par la suite collecter à Mosty Palm et Grizzly Groove, et après collecter à Starry Strub, donc voilà la nouvelle petite ville, et Gotham City. Le tout fera partie justement du challenge The End. Voilà, on n'a pas encore d'infos sur les récompenses qu'on débloquera, elles sont sûrement encryptées, hein, voilà, et cachées dans les fiches du jeu. Mais attendez-vous résultat, un petit défi secret comme celui-ci, donc très intriguant aussi, et cette saison a l'air de promettre des choses vraiment pas mal. Petite théorie qui a lieu aussi, on sait tous que la fusée a été construite à partir de pièces de robots. Les pièces de robots étant infectées, hein, comme on vient de le voir ensemble, est-ce que la fusée résultat ne va pas être infectée elle aussi, provoquant bah, une erreur système ou autre, ou un problème? Ça pourrait être possible, hein, clairement. Peut-être qu'il va justement utiliser l'infection bah, pour arriver à la faire décoller. Vu que les robots explosent dès qu'ils touchent le sol, peut-être que justement ça va aider au décollage de la fusée. Tout comme il avait utilisé les pierres de gravité à l'époque pour utiliser le décollage de la fusée. Bref, pas mal encore de points sombres sur cette fin de saison. Très impatient de voir ce que cela va donner. Pour la version aussi du TAC SMG légendaire, que vous êtes beaucoup à me dire comment on l'a, etc. Déjà, il faut savoir qu'elle fait 1 point de dégâts de plus que la version violette. Donc voilà, elle fait 21 au lieu de 20. C'est la seule chose qui change, mais elle est disponible seulement à Starry Strub en détruisant des petites étoiles. Voilà, c'était pas dans le patch note, mais c'est bon à savoir quand même. Vous êtes obligé de détruire des étoiles et vous avez une chance de l'obtenir. Et c'est le seul endroit où vous pouvez l'obtenir. Donc voilà, c'est assez intéressant, ça offre une petite particularité à la ville. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et vous aura appris des choses. Si c'est le cas, le petit like et le petit commentaire. Pourquoi pas aussi l'abonnement. Et sur ce, à plus, tout le monde. Big Mac, Patty Whack. Oh, and my kitty cat, give a dog a bone. How many licks does it take till I get to the center and let a real nigga take you home? I can make this show strong. Soon as you hear this, boom, boom. From ATLANTA and all of